Hey matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de maison. Certains se rappelleront peut-être d'ailleurs de ce qu'est cette maison là. Hop, c'était une maison qu'on avait fait en live du coup sur la chaîne. Voilà, donc encore une fois, comme d'habitude, j'ai mis les différentes étapes de la construction de la maison sur une map que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo, je l'ai mis là-bas. Voilà, donc, je vais vous faire un petit peu le tour de cette maison en voletant comme un papillon au soleil pour que vous puissiez prendre, remarquer un peu tout ce qu'il y a à voir. Donc ici, par exemple, vous avez une cage d'escalier complètement vitrée, comme la ville, et voilà, avec du water feature, avec plein de choses. Donc voilà. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez une grande terrasse couverte par la maison elle-même, avec une grande partie sur pilotis. Donc ça, c'est sympa aussi. Voilà. Donc c'est cette maison-là que je vous propose de suivre en tutoriel, maintenant. Voilà, donc, j'ai annoté en fait sur cette map plein de mesures en plus de ce que je vais vous montrer ici, c'est à dire que vraiment vous pouvez aller sur cette map et vous pouvez aller directement regarder les mesures. Par exemple ici là, cette grande surface de quartz est de 9 blocs par 39. Voilà, ici vous avez 10 blocs de longueur sur la tranche, ici vous en avez 9 à ce niveau là pour compter cette partie là tout simplement. Et la grande partie en bois, par exemple, vous avez 33 sur 10. Donc voilà, vous avez vraiment beaucoup d'informations un peu partout, avec plein de pancartes partout, pour vraiment vous aider à aller plus vite, hein, tout simplement. Voilà, après vous verrez qu'il y aura moins besoin de ces mesures pour aller un peu plus loin. Bref, du coup, on va commencer. Et comme vous avez pu le voir dans cette magnifique présentation, on va commencer par mettre une plateforme en quartz de 39 par 9 blocs de large. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, jusque là, ça va. Et donc de 39 sur la longueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, ça fait 39 en tout. Si je sais compter. Donc voilà, pour un souci, d'aller un peu plus vite, de pas perdre de temps plutôt dans la vidéo, je vais utiliser un mode qui va me permettre de combler des espaces, combler des surfaces en fait très rapidement, qui s'appelle World Edit, pour ceux qui voudraient le chercher plus tard. Voilà. Donc... voilà, donc on a notre plateforme de 9 blocs par 39 en quartz et on va commencer notre petite la partie qui est transversale, vous voyez. Là il y a la grande partie, c'est ce qu'on a fait, et donc maintenant on va faire celle-là qui va traverser tout. Et donc on va faire la petite partie en quartz qui déborde, qui est donc à 9 blocs à partir de là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici du coup, voilà, on va faire une surélévation de 3 blocs sur 10 blocs de large. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Attendez. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, voilà, c'est bon. J'avais peur de me planter. Donc voilà, on fait cette petite surélévation de 3 blocs. Voilà. Et maintenant, dans la continuité de cette surélévation, là, par là-bas, on va faire une grande palette, une grande surface de planches de bouleau. Hop, qui va reprendre exactement la largeur qu'on vient de faire ici en fait. Voilà, donc si je me rappelle bien, elle est de 33 blocs de large. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, normalement ça fait 33. Voilà. Donc encore une fois, moi je vais mettre la surface de bois plus rapidement. Hop, si je me gourre pas, c'est 5.2, voilà, c'est ça, magnifique. et du coup, on va tout de suite mettre quelques finitions, en fait, vraiment mettre quelques points de détail, comme on peut le voir sur la deuxième étape, en fait, on va directement mettre la piscine en place, avec quelques points de verdure que l'on va retranscrire comme étant, comment dire, comme étant des
voilà, des grands pots de fleurs, tout simplement. Je trouvais plus le mot, disons. Des grands pots de fleurs, voilà, qu'on va mettre autour de la piscine. Alors du coup, la piscine, on va faire un encadrement de piscine avec des planches de chêne noir que l'on va mettre à 6 blocs par rapport à, et à ici. Vous voyez, là on est sur le grand côté ici comme ça. Et on va compter 5 blocs ici, donc 3, 4, 5. Et au sixième, pouf, dans le sol, on va vraiment creuser sur toute la longueur. En fait, on va faire la longueur du truc en quartz à côté, plus 1. Allez, là on est à la même hauteur. Et là, on va aller au bloc, juste à un bloc en plus. Voilà. Donc, alors, si je l'ai mis normalement, oui, sur la machin. Ok, donc c'est plutôt par là-bas. Alors, si je l'ai mis ici dans l'angle, vous voyez, ce sont les mesures. Donc 5 blocs, ici 21, donc ça c'est bon. Et c'est ici 15 blocs de large, d'accord. Donc voilà, on va faire sur 15 blocs de largeur pour la piscine. Ce qui est plutôt pas mal, hein, 15 mètres de large pour une piscine. J'ai tendance à dire que c'est pas trop mal. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok. Hop, voilà, on va faire un petit encadrement comme ça et on va faire prolonger ça sur 3 blocs de profondeur pour avoir un petit peu de profondeur sur la piscine. Hop, ok. Donc là, vous voyez, on va creuser tout ici. Ouais, moi je vais utiliser encore une fois le petit mode magnifique. Hop, alors, ouais, sur 3 blocs de profondeur. Voilà, donc là pour le coup sur la map on voit la bedrock, mais c'est parce que c'est une map flat, mais normalement vous devriez avoir beaucoup plus de profondeur. Du coup, je vais utiliser le bloc de lapis lazuli. Hop, ici là, alors au niveau du... Ouais, ici là, au niveau du niveau du sol, on va remettre 3 blocs comme ça sur la longueur. Hop, 3 blocs comme ça. En dessous, du coup, au niveau de un bloc de profondeur, on va en mettre juste 2 sur la longueur. Hop. Hop. Et sur tout le reste, vous voyez, de la surface, on va les mettre... Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, j'ai mis aussi, un petit commande bloc pour enlever la pluie tout de suite, dès qu'elle s'annonce, pour éviter d'avoir à faire... les commandes de Weather Clear à chaque fois. Moi je sais pas pourquoi je m'embête, je vais mettre tout ça en lapis lazuli très rapidement. Pouf. Donc là il dit c'est 2 si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc maintenant on va mettre ici, là vous voyez il y a une bande de terre encore en dessous de notre bande de bois qu'on avait mis tout à l'heure. Donc on va tout simplement l'enlever sur toute la longueur de la piscine du coup, et on va, hop, et on va les combler. Alors, à savoir que la piscine, du coup, elle sera à un bloc au-dessus de la terre aussi. Ce qui fait qu'en fait, elle sera bel et bien à 3 blocs de profondeur. Parce qu'il y aura encore un bloc au-dessus. Donc, voilà. Alors, une fois qu'on a ça, vous voyez, on est à cette étape là-bas. Ouais, c'est ça, cette étape là du coup de la piscine, de la construction de la maison. Du coup on va passer à l'étape suivante, c'est à dire au fait de rajouter complètement de l'eau et de finir vraiment la piscine. Pour ça on aura besoin de 6 lanternes, de lanternes aquatiques, de quartz et de dalles de bouleau, parce que voilà, pouf, ça aussi pourquoi pas. Donc on va mettre au niveau des extrémités ici, vous voyez, des morceaux de quartz pour faire un peu des gros pots de fleurs. Hop, ok, comme ça. On va même les faire prolonger ici pour faire croire que c'est un peu ancré dans le sol. Voilà, au niveau de la base de chaque morceau de piscine en fait. Hop, ici comme ça. Vous voyez, donc on fait ça comme ça, basiquement.
Pouf, on va rajouter ça. Alors, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais regarder vite fait sur mon modèle. Si, il n'y a pas une... Voilà, donc j'ai bien fait l'encadrage tout autour du truc. Ok. Ça me semblait bizarre aussi. Donc voilà, il y a bel et bien un encadrement total hein, de dalles de quartz ici comme ça. Pouf. Ça paraît plus logique. Comme ça. Voilà. Ça donne un aspect un peu plus sympa tout de suite. On va utiliser donc les dalles de bouleau pour faire une marche entre la petite terrasse ici et la piscine. Donc on va faire ça comme ça. Pouf. Et on va rajouter maintenant les... Alors oui, j'ai oublié juste de mettre ça ici. Et on va rajouter maintenant les bordures de la piscine en elle-même, c'est-à-dire qu'on va utiliser des blocs de vitre bleu cyan. Hop, comme ça. Et on va les faire pouf déborder comme ça de un bloc au-dessus du niveau de la... enfin, du niveau de la terre. Hop. Et ça dans le but, en fait, comme je disais, de pouvoir retenir l'eau. On va mettre un bloc au-dessus, hop, du sol, hop, et on va faire le tour comme ça, voilà, simplement. Alors ouais, moi je mets n'importe où, mais dans l'idée, c'est vrai que si vous êtes en survival, le cyan, enfin la vitre cyan, ça coûte un petit peu plus cher qu'en créatif, forcément. Et donc du coup, n'hésitez pas à essayer de bien les placer quand même, de pas faire comme moi et les placer n'importe comment. Donc on va finir notre petite piscine par mettre des lanternes quand même au niveau du sol, c'est-à-dire on va partir de la diagonale ici. On va en compter deux comme ça, et au niveau du troisième, on va mettre une petite scie lanterne. Et comme ça, au niveau de chaque bord, comme ça au moins ça fait. Voilà, ça fait une espèce de motif sympa. Voilà, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard, vous me direz, mais c'est toujours appréciable. Donc voilà, on va mettre l'eau maintenant du coup. Hop. Alors oui, forcément en survival vous allez avoir plus de mal. Mais c'est pas grave, moi je vais utiliser Pouf, World Edit encore une fois. Et vous voyez, ça nous fait une jolie piscine. Alors qui est pas finie encore, hein, vous inquiétez pas. On va encore utiliser les dalles de bouleau et on va mettre une espèce de petite terrasse. Sur le côté de la piscine en fait, mais qui va être un petit peu moins élevé que cette terrasse là. C'est-à-dire que l'on va faire hop comme ça 1, 2, 3, 4, 5 5 blocs du coup de largeur par rapport à la par rapport au bord de la piscine. Comme ça. Et on va même se mettre par-dessus les dalles de enfin, les blocs de bois hein, parce que de toute façon on les voit à l'intérieur de la piscine. Et on va faire comme ça sur toute la longueur. On va juste garder trois blocs ici de vitres complètement découvertes et on va mettre la terrasse ici comme ça. Je ne vais pas utiliser World Edit pour combler ici. Ça servirait pas à grand chose. Donc voilà, on commence à avoir quelque chose sur notre maison. C'est pas mal. Donc du coup maintenant, on va utiliser... on va faire quelques finitions, c'est-à-dire qu'on va utiliser les espèces de gros pots de fleurs qu'on avait mis autour de la piscine et on va les mettre ici, vous voyez, à intervalles réguliers, et on va tous les espacer de 5 blocs de large en fait. Voilà, donc on va faire vraiment des blocs de 4 par 4, sauf sur les côtés en fait, sauf sur les extrémités, on va faire du 5 par 4. Vous allez voir. Donc, ici sur le côté là, on va faire. Pouf, des blocs comme ça, avec enfin des blocs et demi de quartz sur 5 blocs de longueur ici comme ça, pouf pouf, et ici on va les faire sur 4 blocs, ok? Donc ici comme ça, hein, vous voyez, hop. Donc voilà, on a bel et bien un 5 par 4, voilà, parfait. Et donc du coup on va espacer de 5 blocs le prochain pot de fleurs, donc 1, 2, 3, 4, 5, pouf. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, pouf, 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 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ouais, ok, on va garder ça comme ça. Hop, on va faire, voilà, des pots de fleurs qui vont avoir cette taille-là,
et on va les faire aller jusqu'à un demi-bloc de hauteur pour pouvoir avoir un petit peu de décalage par rapport au reste de la terrasse, qu'on puisse bien le discerner. Hop. Ok. Ok. Ok, d'accord, ben voilà. On a commencé. On a fini les pots de fleurs, du coup, maintenant on va peut-être mettre un petit pot d'herbe dedans, ça serait sympa. Hop, pour le coup, on les comblera après, hein. Il n'y a pas d'urgence, évidemment. Et donc, du coup, maintenant on va tout simplement mettre des marches entre ces pots de fleurs là, que l'on va mettre en demi-dalle de boulot. Pouf! Sur 3 blocs de largeur, ici, comme ça. Hop. Ok. Et on va donc passer à la prochaine étape qui va être de mettre les étages en fait. On va mettre les étages les uns par-dessus les autres. Normal, enfin c'est le principe des étages, hein, tu me diras. et du coup, vous voyez, donc on va mettre ces plateformes là. Le premier étage, il va avoir rien de particulier, en fait, ça va vraiment être un copier-coller de l'étage d'en dessous, mais tout en quartz. Par contre, le toit, il va avoir cette particularité qui est qu'il va être à deux niveaux différents selon les parties du bâtiment. Vous voyez, donc cette partie-là qui est surélevée va être un bloc moins élevé que la partie qui est en longueur ici, comme ça. Vous voyez, donc c'est pour donner une espèce de relief dans le toit qui est assez sympa dans le bâtiment final. Vous voyez, donc on a vraiment un toit qui est assez sympa. Du coup, on va faire ça et on va placer les étages tout de suite. On va laisser 4 blocs de hauteur sous plafond en fait. On va partir de notre coin ici, pourquoi pas. On va partir de 4 blocs. 1, 2, 3, 4. Plus 1 du coup qui va faire notre étage. Donc on va avoir 4 blocs de hauteur sous plafond pour le premier étage. Voilà. Donc moi, encore une fois, pour aller plus vite, je vais utiliser 1, 2, 3, 4, pouf, 5, utiliser World Edit pour faire toute la surface ici. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment de recopier ce pavé-là et de le mettre à 4 blocs de hauteur, enfin à 5 blocs de hauteur par-dessus, en fait, tout simplement. Hop. Voilà. Pouf. Et hop, donc voilà, hein, c'est juste, on reprend la même chose, au même endroit. Vous voyez, hein, c'est bel et bien au même endroit. Et voilà, tout simplement le garder comme ça. Alors, les blocs de quartz, pareil. Et donc, voilà, donc cette partie-là du bâtiment, on va la faire exactement de la même façon, c'est-à-dire on va la recopier. Mais on va faire tout en quartz cette fois-ci. Hop. Pouf, voilà, oui, on met bel et bien pile au même niveau, même endroit. Hop, donc voilà, on prolonge ici aussi, surtout la longueur, comme sur le modèle. Pouf, pouf, jusqu'ici. On va encadrer la chose peut-être, pouf, voilà. Et on repart sur le premier étage, et donc d'accord, vous voyez, on a quelque chose comme ça, donc vraiment une plateforme qui va prendre tout cet espace là. Voilà, donc rien de bien compliqué, il suffit juste de faire un petit peu de remplissage et de recopier les dimensions qu'il y a au niveau du pattern au sol. Rien de compliqué pour le coup, donc pouf, pouf. Hop, voilà, donc j'aurais pu effectivement remplir comme j'avais fait pour les autres, c'est-à-dire remplir directement avec World Edit, mais bon, pour une fois, ou alors on va se laisser tenter. Hop. Hop. Voilà. Pouf. Pouf, ok.
Donc voilà, pour le moment, rien de bien compliqué. Voilà, donc on va refaire la même chose cette fois-ci, sauf qu'on va pas faire les parties du toit de la maison à la même hauteur. C'est-à-dire que cette partie-là du toit va être à 5 blocs de hauteur sous plafond du coup. C'est-à-dire qu'on va partir du coin ici, hein, comme tout à l'heure, et on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va être tout l'espace en dessous du plafond. Et donc le sixième bloc, ça sera le plafond. Pouf, ok. Donc on va se mettre de l'autre côté. Je vais vraiment faire l'encadrage peut-être du toit. Voilà, on se colle par rapport au truc en dessous. Et on va faire tout le tour. Alors, en évitant de dépasser quand même. Voilà. Donc voilà, on va faire vraiment tout cet espace-là. Hop. Pour définir le toit. Hop. Pouf. Voilà. Et du coup, on va utiliser l'autre partie du toit ici, comme ça, à un bloc en dessous. Qui va donc glisser en dessous, tout simplement. Pouf. Comme ça, on va le mettre ici. On va le faire exactement à la même place que les choses en dessous. Bien sûr, hop, donc ici on est bon, et on prolonge comme ça, ouh, allez, ok, donc là il est vraiment plus long pour le coup, ok, ok, c'est bon. Donc vous voyez que on va avoir ces deux choses là qui vont se chevaucher, hein, tout simplement. Donc voilà, moi je vais combler les espaces du coup avec World Edit encore une fois. Mais voilà, c'est juste pour combler des surfaces. Il n'y a rien de bien compliqué là-dessus. Oui. Pouf, ok. Voilà. Donc maintenant qu'on a nos étages de mis, on va mettre le reste de la structure, c'est-à-dire les vitres, les murs et les piliers un petit peu, parce qu'il va y avoir des piliers. Je vais les prendre d'ailleurs. Je vais utiliser les piliers en tant que muret de cobblestone en fait. Pouf, ici comme ça. Et on va les mettre ici sur les coins en fait, pouf, ici comme ça sur le coin de la terrasse. De chaque côté, voilà comme ça, juste au niveau du premier étage, hein, pas au niveau du dessus. Au niveau du dessus, va y avoir une vitre. Par contre, au niveau de ces bouts là, en fait, à côté de la piscine, vous voyez, au niveau de ces bouts là de notre bâtiment, là, on va les faire traverser complètement. C'est-à-dire qu'on va mettre des piliers de cobble ici, comme ça, hop, et de chaque côté, du coup. Et hop, voilà. Voilà, voilà. Donc maintenant, du coup, ce qui nous reste à mettre, ce sont les... on a quasiment au bout, hein, finalement. On va mettre les murs et on fera les finitions en dernier. Les murs, les vitres et les finitions. Les finitions, c'est tout ce qui va concerner l'habillage du toit, la cage d'escalier, les feuilles, voilà, l'aménagement un peu de la terrasse, la partie semi-couverte à ce niveau-là. Vous voyez, enfin, un peu tout ça. Du coup maintenant au niveau des murs, moi j'ai utilisé de la laine blanche. Vous pouvez bien sûr utiliser un autre bloc, hein, si jamais vous voulez. Je vous déconseille juste de réutiliser les quartz, parce que ça ferait trop quartz peut-être à la fin. Donc voilà, c'était pour nuancer les teintes de blanc que j'ai fait ça. Et on va partir de notre coin ici et là comme ça, comme d'habitude, avec nos laines blanches. Et on va compter 4 blocs comme ça sur le sol. Voilà. Puis après, on va laisser 2 blocs de trous. Et on va recompter 4 sur le sol. Après, si je dis pas de bêtises, on en compte 6. Donc 3, 4, 5, 6. À partir du 7ème, on va en compter 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, je ne sais plus. Voilà. Donc je m'en... J'ai mis des annotations ici, des pancartes. Donc là c'est bel et bien 4, 4, 6, 7 et là c'est 5, d'accord, donc 5, 5 et 3. Et de l'autre côté ça sera 6 et 9, d'accord. Donc voilà, je vais refaire ça au ralenti.
Donc ici on va mettre 4 blocs, puis un espace de 2 pour mettre la fenêtre, puis re 4 blocs, puis un espace de 6, puis un espace de... puis re 7 blocs, voilà, puis un espace de 5, 4, 5, et re 3 blocs. Voilà, donc 4, 2, 4, 6, 7, 5 et 3. Oui, c'est, j'aurais pu faire plus simple, tu me diras, mais j'avais pas forcément envie, tout simplement. Donc ok, de l'autre côté du bâtiment, en fait, on va reprendre presque le symétrique, c'est-à-dire que l'on va reprendre ici jusque-là. Sauf qu'il va falloir penser qu'à ce niveau-là, ça va être la cage d'escalier. Donc ça va être un petit peu différent, on va pas pouvoir faire le mur tout jusqu'ici comme sur la partie d'en face. On va enlever un bloc ici pour que ça soit aligné avec juste un bloc à ce niveau-là. Vous voyez, un bloc en diagonale par rapport à la cage d'escalier. Et pareil ici, un bloc en diagonale, pouf, ici comme ça. Et hop, tout jusqu'ici, ici. Donc voilà, à partir de ce bloc-là, surtout la longueur, normalement ça fait 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Donc là, on est bon, et il suffit de prolonger les lignes qu'on a faites jusqu'au plafond pour donner les murs, tout simplement. Oup. Et au pire, voilà, si vous êtes perdu dans le décompte, n'hésitez pas à télécharger la map pour aller voir ça de votre point de vue. Alors, je sais aussi que plus... Enfin, il y en a un qui m'a demandé si je pouvais mettre les schématiques de la maison, enfin des maisons que je fais en tutoriel. Voilà, non, personnellement les schématiques ça m'embête plus qu'autre chose, donc je vais pas m'embêter avec ça. Vous pouvez évidemment en faire si jamais ça vous intéresse, moi ça, voilà. Pour moi, je trouve pas ça particulièrement intéressant. Alors, du coup, maintenant qu'on a nos murs au niveau du premier étage, on va tout simplement les prolonger au deuxième étage. Voilà. Voilà, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Ouf. On fait tout simplement la même chose. On peut même... Hop. Creuser directement dans le sol. Hein. Vous voyez, ça ne... Ça change rien. Normal. Hein. Comme c'est des blocs qui ne sont pas visibles. Hop. Voilà. Donc, ici, on est bon. Ici, on est donc à 7, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Youp. Ok. Donc là, on est bon. Là, on met 3. Hop. Pouf. Ok. Ok, donc là on refait comme la partie du dessous, hein, vraiment on laisse un bloc de marge par rapport au celui d'en face, hein, évidemment, parce qu'il y a toute cette partie là qui fera la cage d'escalier. Ici pareil, on va mettre ici et hop sur toute la longueur. Voilà, pour que ça soit dans l'alignement de la partie en dessous. Pouf pouf pouf, pouf pouf, pouf pouf, ok. Hop. Et hop, bah voilà, je pense qu'on avance pas mal. Alors évidemment, il nous reste toute cette partie-là à mettre. Celle-là, je m'en rappelle plus du tout. Je me rappelle plus du tout des dimensions pour celle-là. Je vais les regarder rapidement. Donc, 4, 2, 3, et là c'est 9 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 9. Donc 4, 2, 3, 9, 4, 2 et 4. 4, 2, 3, 9, 4, 2, 3, 9, 4, 2, 4, ok. Vous allez comprendre tout de suite, hein, je vais refaire avec vous, c'est pas bien compliqué. Hop, c'est-à-dire qu'on va partir de notre morceau ici, là vous voyez, donc qui est à la base de notre couloir. Là il va y avoir un grand couloir, on va partir d'ici, on va faire 1, 2, 3, 4, un espace de 2, 1, 2, 3, 4, un espace de 9, hop, 1, 2, 3, 4, re-espace de 4, un espace de 2 si je dis pas de bêtises, et un espace de 4 encore. 4, 2, 4, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 9, je crois, c'était, et pas 4, 2, 4, au pire, bref, on va faire 4, 2, 4, c'est plus simple pour moi. Donc voilà, on a 4, 2, 4 de chaque côté, donc on va faire la même chose ici, pouf, 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 on va refaire ça,
Hop, voilà. Ici, comme ça. Oui. Donc, je répète, hein, pour les dimensions, 4 blocs ici, espace de 2, re-4 blocs, espace de 9, re-4 blocs, espace de 2, re-4 blocs. Voilà. Jusque-là, ça devrait aller. On reprolonge les murs, nos bandes de blocs comme ça, au niveau du plafond pour donner des murs. Youp. Et après, on refera les fenêtres et la cage d'escalier. Puis, on passera directement aux finitions qui, voilà, qui seront assez rapides normalement. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire au niveau des finitions, si ce n'est les finitions, j'allais dire. Mais du coup, oui, ça paraît assez logique. Voilà, donc, maintenant, on a vraiment nos murs. On va juste faire deux, trois petits réglages, c'est-à-dire au niveau de l'intérieur ici. Ici, là, au niveau de notre grand espace de 9 blocs, va y avoir vraiment un espace à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que, voilà, voyez, je vais vous montrer sur le modèle que ici, vous voyez, il y a un grand espace ouvert entre les deux parties, entre le plancher et le plafond. Vous voyez? Et donc, du coup, comme il y a un espace ouvert, il va falloir mettre des portes et des murs. Oups. Donc, ici, comme ça, voilà, sur tout l'entourage. On va mettre une ouverture comme ça. Donc elle est même balèze, hein, l'ouverture. On va la faire un peu plus petite. Comme ça peut-être. Voilà. Donc on va faire des blocs de 3 de chaque côté. Et de chaque... voilà. Hop. Ok. Donc bah voilà. On n'en a pas tout à fait terminé. On va passer ici, on va rajouter hop, deux blocs ici comme ça. Peut-être laisser un espace de 3 blocs pour le passage. Hop. Et ici, on va relaisser 3 blocs de passage à ce niveau-là. Voilà. Donc ici, là. Ok, donc là maintenant, on a vraiment fini la pose des murs. Donc ça, c'est pas mal. On va pouf utiliser des vitres tout simplement, des vitres qui ne sont pas des blocs pleins hein, mais juste des vitres normales, et on va mettre les vitres en place sur la maison tout simplement. Donc on va partir de là par exemple hein, et on va les mettre hop comme ça par exemple. Ce qui fait par exemple ici, du coup je dis trop de fois par exemple. Ici du coup on va vraiment faire une vitre en forme de U à ce niveau là donc qui va faire des vitres avec des angles. Ça c'est plutôt stylé. Et on va les placer comme ça si on y arrive, hein, parce qu'évidemment, les vitres, c'est sympa à placer, hein, comme vous le savez. Hop. C'est bien fin et tout ce qu'on aime. Allez, pouf, 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 pouf. Ok. Hop. Et hop. Donc cette partie-là de la maison, elle est plutôt stylée, je trouve. Donc voilà, hein, avis aux amateurs. Maintenant, on va tout simplement combler les vitres à ce niveau-là. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Pouf, 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 pouf. Pouf, 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 pouf. Ici, du coup, comme on est au niveau de l'espace ouvert, en fait, on va tout simplement mettre voilà, des barrières de sécurité de chaque côté. Et tout cet espace ici sera ouvert. Donc, du coup, ici, au niveau des portes, on va boucher le dessus des portes, comme ça, avec du verre aussi. Pour faire un petit peu un style moderne, vous voyez. Hop. Hop. Hop, ici comme ça. Bref, voilà, on va continuer nos posages de vitres. Ici, bon, il n'y en a pas. Ici, on va faire sur toute la taille du mur, en fait. Hop. Vous voyez, hein, donc toute cette partie-là, ça sera un mur. Un mur de vitre, une grande vitre plutôt. Voilà, magnifique, n'est-ce pas? Alors, la cage d'escalier, on va la faire un petit peu plus tard. Du coup, on va juste combler les grandes vitres de 5 par 5 qui seront ici. Hop, pouf, 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 pouf. Ok. Hop. Hop.
Ok. Bon, bah voilà, là je pense qu'on a fini pour cet étage-là. On va pouvoir passer à l'étage du dessous. Donc voilà, dans un souci de gain de temps, je vais utiliser les World Edit, hein, le mode, pour aller un peu plus vite. Hop. Je mets mes repères déjà. Et je vais utiliser la hache magique. Hache magique! Viens à mon secours! Hop! Pouf! Et pouf! Pouf! Ok. Vous voyez, ça va un peu plus vite, hein, forcément. Allez, hop! Et hop! Voilà. Donc voilà, ça va un peu plus vite, c'est normal. Du coup, il va falloir juste penser au... Ok, j'ai fait des conneries. J'ai supprimé un mur. Voilà. Donc ça, c'était ça. Le mur qu'il y a ici, normalement, il ne faut pas les enlever, hein. Il faut les garder. J'ai juste fait une mauvaise commande. Hop. Voilà. Donc, ici, du coup, on est censé avoir une ouverture à ce niveau-là pour l'entrée de la maison, tout simplement. Donc, du coup, ici, au lieu de la mettre plein de vitres partout, on va l'ouvrir. Hop, à ce niveau-là. On va même faire une ouverture de 3 blocs de hauteur. Et du coup, on va pouvoir mettre en place la cage d'escalier maintenant, qui va être ici. Alors, la cage d'escalier, on va faire une grande cage qui va être complètement vitrée. Et donc, du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est enlever cette partie-là de la maison. Hop, c'est-à-dire vraiment ici, là. Pouf. Hop, enlever toute cette partie-là. Par contre, ouais, non, on va garder ici, hein, juste ce petit bloc, et on va enlever. Hop, on va enlever tout ça. Donc, on va enlever jusqu'à un bloc à l'intérieur de la maison. Hein, vous voyez, toute la partie du mur là, bah, il n'y aura rien sur le prolongement. Et donc, ici, on va, pour tout le reste, hop, placer des vitres. Voilà, sur les murs et sur la partie extérieure. Voilà. Donc ici par exemple. Hop, jusque-là. Encore une fois, j'utilise World Edit pour aller plus vite, mais voilà, il n'y a aucun souci de pouvoir faire ça en survival à la main. C'est la même chose. Voilà, donc moi c'est dans un souci de gain de temps. Voilà, donc on a vraiment une cage d'escalier qui est plutôt sympathique. On va pouvoir continuer ça à l'intérieur. Et on va utiliser les demi-blocs de quartz. Les dalles de quartz pour pouvoir hop, utiliser. Alors donc au niveau de l'escalier, on va utiliser des escaliers de 2 blocs de large. En fait, on va utiliser des demi-blocs de quartz pour voilà, faire des marches à partir de ce niveau-là, hein. Et on va faire des marches comme ça. Pouf pouf. Et on va tout simplement les faire coller à la vitre parce que voilà, parce que c'est luxe, parce que c'est moderne, parce que voilà, on va pas s'embêter plus que ça. Et on va utiliser ça ici comme ça, boum. Donc voilà, ici j'avais cassé. Donc voilà, on va pouvoir utiliser de fait. Alors on va reboucher ici quand même, ça fait plus joli. Et vous voyez que en fait à ce niveau-là. Donc, au niveau du creux de l'escalier, on a vraiment toute une partie vide qui va nous permettre de mettre quelques décorations finalement. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser de la vitre blanche et de la vitre noire. Ou de la vitre gris clair plutôt que de la vitre blanche. Et on va faire des espèces de piliers de vitre au niveau du creux de l'escalier, pourquoi pas. Par exemple, on va utiliser la vitre noire ici comme ça. Pouf, on va faire tout un gros pilier jusqu'au plafond. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Hop, et on va coller des vitres de gris, plutôt de gris clair, hop, comme ça, sur le côté de cette vitre noire. On va en mettre 2 couches, même carrément. Parce qu'on est des fous. Parce que voilà. Hop. Voilà, et on va en mettre juste un de l'autre côté, un bloc de vitre clair. Ok. Et donc vous voyez que ça fait une espèce de petite décoration assez discrète, mais qui voilà, qui est présente malgré tout. Ça fait plaisir.
Et on peut aussi rajouter du coup une water feature, comme on appelle ça, sous l'escalier. Vous voyez que ici, là, il y a toute une, tout un espace qui n'est pas utilisé. Et que donc, on va pouvoir un peu y faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre de l'herbe et de la flotte. Pouf, pouf, on va faire un petit peu des machins comme ça. Pouf, on va mettre de l'eau dans les trous. Hop. Hop, comme ça. Et du coup, on va pouvoir mettre un petit peu de verdure, et notamment de la canne à sucre qui ne peut pousser qu'à côté du coup de sources d'eau. Ou alors de flotte, tout simplement. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Voilà, donc aussi pour tailler, encore une fois, c'est la bonne vieille astuce, c'est pour obliger la canne à sucre à ne pas pousser, à rester bloquée à deux blocs de hauteur pour pouvoir un peu la tailler et faire ce qu'on veut, c'est de mettre des strings, du coup des ficelles au-dessus des cannes à sucre pour les empêcher de pousser. Ça marche aussi avec les pousses d'arbres, c'est plutôt sympa. On peut aussi utiliser évidemment des fleurs, des feuilles, tout ça. Je pense que je vais utiliser voilà, des rosiers un petit peu. Et de la poudre d'os. La bonne vieille poudre d'os. Toujours aussi efficace. Pouf, pouf. Et bah pouf quoi. Voilà. Donc voilà, on a une petite décoration dessous l'escalier qui est tout à fait sympa je trouve. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire mis à part les finitions ? Eh bien, je crois que ça y est, on est aux finitions. On va faire les finitions. D'accord, donc c'est vraiment à ce niveau-là que toute l'essence de la maison va prendre forme, parce que vous voyez que entre cette maison-là, vous voyez qui est assez vide, assez nue au niveau des finitions, et notre maison finie, ça n'a rien à voir hein, en termes de cachet, vous voyez. Donc vraiment, les finitions sur les maisons, ça apporte vraiment énormément. C'est la moitié du travail. Hein. C'est la moitié du... pas du travail, mais la moitié de vraiment du cachet de la maison, c'est les finitions. Et vraiment, quand on dit que le diable se cache dans les détails, c'est que vraiment un petit détail peut vraiment changer complètement une maison. Et c'est faut faire gaffe à ce genre de choses. Du coup, voilà, je vous propose de commencer par le toit. Par le doigt, par commencer à faire des bouches d'aération, par exemple. Donc classique, on va utiliser des rails voilà, mis en rond comme ça pour pouvoir symboliser un peu des bouches d'aération, que l'on va hop encadrer par des tapis. Voilà, donc on va faire un deuxième à côté. Hop. Voilà, classique mais toujours aussi efficace hein, les bouches d'aération en moderne. Et aussi, du coup, les panneaux solaires sont aussi toujours très utilisés, ce qui est plutôt normal. Hein. Hop, on va mettre des panneaux solaires, du coup, comme ça, c'est-à-dire des panneaux solaires normaux, hein, mais que l'on va mettre à deux blocs à chaque fois d'espace avec la fin du toit, avec le bout du toit, pour donner un petit peu plus de... Enfin, pour que ça soit un peu plus réaliste. Hop, voilà, on va en mettre deux ici, par exemple, et on va en mettre quelques-uns ici aussi. Hop, donc voilà, deux de chaque côté, deux débordés de chaque côté. Ici comme ça. Hop. Alors après, suivant votre pack de textures, vous pouvez mettre en mode jour ou nuit, ça dépend. C'est voilà. En pack de textures par défaut ou avec le faceful, du coup, vous pouvez mettre directement en mode nuit parce que ça voilà, ça permet d'avoir d'un point de vue esthétique quelque chose qui se rapproche davantage des vrais panneaux solaires IRL en fait. Donc voilà, c'est selon les goûts. Voilà, voilà. On va peut-être mettre cela aussi en panneau détection nuit, peut-être. D'ailleurs, je ne pensais que... Bon, bref. On va utiliser aussi quelque chose qui est extrêmement utilisé en construction moderne pour faire des finitions, mais qui marche toujours aussi bien. C'est depuis tout début de Minecraft, ça marche toujours aussi bien. Ce sont les végétations. C'est-à-dire les feuilles, les fleurs, les voilà, tous ces genres de choses. La végétation, la verdure, pour pouvoir habiller une construction, ça marche vraiment super bien. Donc on va en mettre un peu comme ça sur les murs, sur les toits, et aussi sur les rebords de la maison. Parce que vous voyez ici, là, on a des rebords
voilà, sur la maison, et ça nous permet de poser des feuilles ici comme ça. Hop, même devant les fenêtres, hein, y a pas de souci, on va pouvoir en mettre un petit peu partout. Hop, voilà, ici même carrément en plein milieu du toit, pourquoi pas. Hop, un qui déborde des deux côtés, de chaque côté d'un coin de la maison, ça c'est stylé aussi. Hop. Oh là, j'arrive pas à placer les choses comme je veux. Donc voilà, on en met un peu partout, hein, vraiment. Alors, pas trop non plus, hein, forcément. Mais on peut hein, quand même en mettre. Alors oui, du coup, je viens de m'apercevoir que du coup, ici, il manque des choses. Donc, on va utiliser la vitre et on va tout simplement, dans le prolongement des murs, mettre de la vitre ici, comme ça. Pour pouvoir faire un peu des barrières, hein, tout simplement, pour cette partie-là, qui est un peu une terrasse, des mini-terrasses dans la maison. Hop. Voilà. Tout simplement. Donc ici, on va le mettre, hop, encore une fois, sur l'espèce de truc qui est surélevé, le petit rebord, plein de végétation un peu partout. Youp. Sur le toit aussi, pareil, hein. On va pas se priver. Voilà. Et ici, sur le petit rebord de la cage d'escalier, ça peut être sympa aussi. Pouf, pouf. Et vous voyez que tout de suite, ça donne un peu plus de volume, un peu plus de finition à la maison. C'est toujours un peu plus sympa. Alors du coup, on va aussi mettre au niveau du sol l'aménagement de la terrasse et aussi un aménagement à ce niveau-là, c'est-à-dire entre la piscine et le bâtiment lui-même. On va aménager toute cette zone-là avec des plantes, tout simplement. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est d'utiliser des plaques de pression en bois. De les mettre ici comme ça sur la longueur, donc un bloc avant la vitre de la piscine et le bord du bâtiment, et de faire tout un encadrage, hop, comme ça, voilà, en plaque de pression en bois, et du coup mettre quelques massifs de fleurs en fait dans cet espace, c'est-à-dire que là, je vais utiliser des feuilles comme ça que je vais mettre un peu comme ça, c'est-à-dire un bloc de feuilles, puis deux à côté, et puis trois par-dessus, les uns par-dessus les autres, pour pouvoir, hop, voilà, faire un peu des choses comme ça. On va utiliser aussi du coup maintenant, voilà, des pivoines, parce que pourquoi pas. Voilà, des orchidées, des fleurs bleues. Alors les fleurs bleues, on peut par exemple les mettre autour voilà, des massifs de feuilles. Hop, pourquoi pas. Les pivoines, du coup, les blocs de, enfin les fleurs de deux blocs de hauteur, on peut les mettre un peu comme ça sur le chemin qui a été dessiné. Et pour le reste, du coup, de ce... Hop. Et pour le reste, du coup, au niveau du sol qui n'a rien du tout, on peut tout simplement mettre de la bonne mille pour combler le reste des espaces. De la bonne mille, de la poudre d'os en français, pardon. Et donc voilà, ça nous fait un petit massif de fleurs tout à fait mignon, je trouve. Voilà. Avis aux amateurs, du coup. Alors, maintenant, on va faire cette petite partie-là. Pourquoi pas, tiens. Cette petite partie-là, on va la faire avec des pellicules de neige. Oui, madame, des pellicules de neige, tout à fait. Et pas que des pellicules de neige, on va aussi utiliser des dalles de quartz ainsi que des trappes d'or. Hop, alors du coup, on va creuser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 blocs comme ça, en fait, dans le 3 sillons, 2 blocs dans le sol. Et on va utiliser de la neige pour combler en fait le trou. Hop. Et au-delà de juste combler les trous qu'on vient de faire, faire par-dessus ça un transat en mettant deux pellicules de neige au niveau de la tête et juste une pellicule de neige à ce niveau-là pour que ça soit un petit bloc au-dessus du reste de la terrasse pour donner un petit peu de relief. Pouf, comme ça. Et faire trois transats comme ça. Ça donne des trucs plutôt sympas.
Et hop, par-dessus ça, du coup... Alors, non. Pouf, ici, toi, tu vas là. On va mettre... on va creuser le bloc ici, à ce niveau-là, et on va utiliser... On va faire une espèce de colonne, en fait, de quartz. Et on va faire venir, hop, toute une ligne de quartz au-dessus des transats. Et là, vous devriez me voir venir, avec mes gros sabots. On va utiliser des trappes de bois, en fait, pouf, au niveau du dessus des transats. Comme ça, pouf, ici aussi. Et comme avec les dernières mises à jour en fait de Minecraft, on peut utiliser des trappes de bois directement dans les airs, et bien on va pouvoir faire une espèce de parasol tout à fait super moderne, tu vois, sur le côté ici comme ça. Et voilà, ça donne un petit parasol tout à fait mignon, tout à fait sympathique. Voilà, donc pour reprendre un peu les pellicules de neige, on va aussi en mettre du coup devant la... On va remettre des transats en pellicule de neige devant la piscine, pouf pouf. Ça fera toujours un peu mieux. Voilà, voilà. Alors, je sais qu'il reste plein de trucs à faire au niveau des finitions. Oui, d'accord, ça y est, je me rappelle. On va utiliser les demi-blocs au niveau de l'avant, en fait, de la maison. On va utiliser les demi-blocs de bois, de sapin. Et on va les mettre comme ça. Ah, il pleut. Le temps s'éclaircit. Magnifique, les commandes blocs, ça change d'avis. On va les mettre ici du coup, on va mettre une ligne de 5 blocs, 5 demi-blocs de bois de sapin. Et juste à côté, pouf, 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 sur une certaine longueur, hein, jusqu'ici par exemple, on va faire un peu la même chose et on va les faire, hop, venir tout jusqu'à 5 blocs de longueur. Hop. Comme ça. Et vous voyez que ça habille un petit peu la façade de la maison. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et bah du coup, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est ce qu'on avait laissé en plan au début de la vidéo, c'est-à-dire vraiment mettre des... tout simplement des végétations dans les pots de fleurs qu'on a laissé en plan, du coup. Moi, je vais utiliser la poudre d'os, mais vous pouvez bien évidemment utiliser autre chose. Il n'y a pas de souci. Ce que je vous conseille juste, c'est de mettre des choses qui sont à deux blocs de hauteur pour pouvoir avoir un petit peu d'effet, un effet un peu plus sympa. On va les mettre aussi ici. Hop. Voilou, voilou. Alors, je pense que ça y est, on devrait avoir terminé la maison. Je vais quand même voir sur le modèle si j'ai pas oublié quelque chose qui me sauterait aux yeux. Mais a priori, on a fait le tour, hein. La vidéo, enfin moi j'ai fait un peu plus d'une heure d'enregistrement, donc probablement que vous auriez quelques coupures. Oui, d'accord, ok. Il y a deux, trois choses. Ici par exemple, vous voyez, vous avez un tremplin pour aller directement dans la maison, enfin dans la piscine. C'est un poil dangereux peut-être. Mais bon, c'est un poil dangereux, mais ça, bon, c'est vrai que ça peut être rigolo. Donc effectivement, à ce niveau-là, donc, à pouvoir mettre un tremplin pour entrer dans la piscine. Ouais, c'est un peu dangereux, mais bon, tant pis, c'est pas grave, on aime se faire peur ici. Alors... Ici aussi, par exemple, sur le bord de la piscine, on peut mettre des fameuses chichas. Pouf, pouf. Voilà, de chaque côté, parce que voilà, on aime se faire plaisir, puis c'est tout. Voilà, voilà. Et ben sur ce, ça y est, on a enfin fini la maison. J'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que la map est téléchargeable dans la description de la vidéo. Sur ce, moi, je vous souhaite à tous un très bon jeu. Je vous... N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce vert aussi à la vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon jeu. Bon vent, matelot. Et à la prochaine.